Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une ouverture de colis que j'ai reçue de la chaîne Chris Color, enfin de Christelle. Elle m'a renvoyé un joli junk. Je m'y attendais pas, donc ça fait d'autant plus plaisir. On va découvrir ça ensemble. Enfin, je l'ai déjà ouvert parce que bon, voilà, comme vous savez que je galère pour mes vidéos. Voilà, je vais vous présenter ça. Donc, nous avons un joli papier déjà avec des feuilles de ginkgo. Excusez-moi pour le bruit. Et à l'intérieur, on trouve un tissu papier, j'appelle ça, avec des petites fleurs bleues. Voilà. C'est très sympa. Merci beaucoup, Christelle. Et ensuite, son magnifique junk qui sent très bon. Je sais pas si c'est ton parfum ou si tu. Enfin, qu'est-ce que tu as mis dessus, mais ça sent vraiment divinement bon. Alors, c'est entouré, enfin fermé par un joli ruban en organza. Voilà. Si j'arrive à l'ouvrir à une main. Alors, voilà le joli ruban. Donc, on a un cercle, comme vous savez, pour broder, avec une fausse broderie. Ici, un papillon. Ici, elle m'a fait une jolie fleur en dentelle. C'est vraiment très joli. Avec une étoile en strass. Ici, une petite fleur. Et ici, une rose. Une rose blanche. Voilà. Quand on ouvre, on a une enveloppe avec une jolie carte dedans pour toi. Bon, le petit mot, je le garde pour moi. Ici, nous avons un joli papier fleuri avec une pochette et fait avec une perforatrice à bordure. Elle m'a mis une ATC dedans. Voilà, avec des strass. Et donc, c'est fait, c'est le titre Rose Chabille, fait par Christelle. Le 15 avril 2019, et c'est la une sur une, donc c'est que pour moi. Ici, on retrouve un joli papier, mais vraiment très 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 beau. Là, du papier imitation cuir, un crocodile, avec une perforatrice dentelle. Ici, une petite rose. Ici, une enveloppe où elle m'a fait un tampon dessus, où elle a mis du crayon rose. On retrouve dedans une petite enveloppe avec un joli tampon. Ici, une autre petite enveloppe. Et dedans, on retrouve une petite enveloppe et ainsi de suite. Voilà. Donc, je remettrai ça tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on arrive au milieu. Donc, joli papier marron avec des pois. Ici, de la dentelle. Voilà, on retrouve le même papier que tout à l'heure. Ici, pareil ici. Ici, une petite enveloppe en craft où elle a fait un tamponnage papillon et qu'elle est venue embosser avec de la poudre rose. Et elle m'a mis dedans un tag avec du washi vert et blanc et un autre washi blanc avec une inscription en anglais dessus. Voilà. Ici, on retrouve le même papier que tout à l'heure. Là, un papier de cahier avec un petit. J'arrête pas de dire petit. Avec une cage à oiseaux. Là, elle m'a fait une autre pochette
avec des jolies comment, des jolies strass bleues, on dirait des diamants. Voilà. Là, une feuille de, enfin, je dirais pour faire les factures, vous savez, ou pour tenir les comptes. Voilà. Ici, elle a un joli papier avec du foil rose. Et elle m'a mis un paperclip en forme de porte-manteau. Trop mignon. Là, elle m'a fait une petite pochette avec du papier qu'on retrouve sur la couverture. Et elle m'a mis plein de petites découpes. Fleurs, cœurs. Voilà. Là, pareil, en papier rose. Ou alors, soit c'est toi qui l'as fait en fond. Ici, une bordure avec des fleurs et tout, des papillons. Ici, elle m'a mis deux petites feuilles d'autocollant. Voilà. On retrouve la même feuille. Ici, avec un die-cut. Ici aussi. Ici, elle m'a fait une autre petite pochette avec des strass. On retrouve le papier. Là, c'est en crayon rose. Ici, un joli papier fleuri avec un bouquet vert. Voilà. Trop joli. On retrouve du papier à carreaux. Ici, une papier qu'elle a déchiré, qu'elle est venue soit brûler, soit ancrée, je ne sais pas. Ici, une pochette de thé, comme quoi on ne jette rien en scrap. Avec un petit tag et des attaches parisiennes. Et un brads, même un autre, non, deux brads. Voilà. Un très joli papier. Un papillon. Ici, elle m'a fait une sorte de petite pochette avec un die-cut arrosoir qu'elle est venue découper, déchirer, ancrer. Et avec une petite. Enfin, une petite. Avec des strass. Et pour finir, on a un joli papier fleuri, un sticky note et une pochette. Oh, une pochette avec une perforatrice dentelle. D'une main, c'est pas très pratique. Et derrière de mamie, plusieurs tags. Comme ça. Avec classé avec du napperon. Comme ceci. Ceci. Et celui-ci. Voilà. Et on retrouve le beau papier derrière pour finir. Voilà, ben, merci. Je te remercie vraiment beaucoup, Christelle. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Voilà. Donc prochainement, j'essaierai de vous faire un tuto pour une carte à tirette. Donc je vais essayer. Je vous promets rien, mais je vais essayer. Donc voilà, je vous fais de gros bisous. À très bientôt. Au revoir.